Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire de la bière d'ananas. C'est une boisson sud-africaine. Hi everybody, welcome back to my channel. So today I'm going to show you how to make pineapple beer. It's a South African drink. So let's get started. Hello everyone, my name is Laura Lee and I'm the one making all these delicious recipes. So don't forget to subscribe to my YouTube channel and follow me on my Instagram page. And let's get started! So here, after 4 days, you should have a sparkling drink. So the drink should be sparkling. That's how you know it's ready, and it's ready to strain. Then you're gonna use a strainer just to remove all the residues, the pineapple residues, and then put it in a nice container and refrigerate the drink for 3 days for more freshness. And you know, the drink is gonna be cold enough for you to drink. And if you want it to be to turn into an alcoholic drink, then you may need to let it ferment longer than 4 days, but 4 days it's for non-alcoholic drink. Okay, alors ici je disais simplement que si vous voulez que la boisson soit plus alcoolisée, alors il faudrait laisser la boisson fermenter pendant plus de 4 jours, mais moi j'ai laissé 4 jours parce que je n'avais vraiment pas besoin d'une boisson alcoolisée. Après cela, on va utiliser une passoire pour enlever tous les déchets d'ananas que vous voyez sur l'image. Et ensuite, après avoir bien passé, il faudrait maintenant mettre transféré dans un conteneur et ou bien une bouteille, je dirais, ou un autre récipient que vous avez, et refrigérer pendant 3 jours. Et dès que la boisson est bien froide, alors comme chez nous on dit au Congo, bien tapé là, alors c'est après que vous pouvez consommer. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de suivre ma page Instagram. J'aimerais bien me connecter avec vous sur Instagram. Alors on se revoit à la prochaine et très belle journée à vous. So this is all for today, guys. Don't forget to follow my Instagram page and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you in the next video. Have a wonderful week.